Vous allez toujours bien, tout le monde? En cette magnifique fête nationale sur les grandes plaines d'Abraham. Cette journée extraordinaire qui nous permet de mettre notre cynisme de côté et de fêter le Québec à sa juste valeur. J'espère que vous avez gardé un peu de ça en vous pour le reste de l'année, pour qu'on soit fiers de célébrer notre Québec. Pas juste ce soir, mais à l'année, mesdames, messieurs. Et ce soir en particulier. Bonne Saint-Jean-Baptiste. On attendait sans affrontement que vienne la fin des jours prospères. Quand t'es certain d'être le perdant, y a pas de paix, y a pas de guerre. Au revoir mon père, au revoir mes frères. Je m'en vais avec mon cœur battant, fouler la terre, braver l'hiver. Oh, 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 oh. Ça donne aux gars, c'est un bungalow. Le cul assis sur le statu quo. On se cavant de téléromans et de talk shows les plus stupides, se laissant mourir sur le divan avec leur petit air canté dans son royaume de la poutine. On se complète dans la médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur est fabriqué. Prendrais-tu un petit gratteur médiqué, c'est au dépanneur. Envoie la grosse en ton petit dé de millionnaire, c'est le bonheur. Il se fait arriver le samedi, il va peut-être quitter son dos. Toujours mon ciment, à une chance sur 14 millions dans le stationnement du casino. Rostir une balle dans la tête, ayant nous clouer son magot. Il avait plus trop le cœur à la fête. Les gouvernements s'en balance, se nourrir avec les gamblers en exploitant leur dépendance, un peu comme le ferait un pocheur. Si c'est ça le Québec moderne, moi je mets mon repos en berne. Les gens merdent dans les bouffons qui nous gouvernent. Si tu rêves d'avoir un pays, mais moi je te dis que t'es mal parti, t'as même plus de chances de gagner. Un petit pack de yes men qui marchait les fesses serrées. Quand arrivait le foreman, aujourd'hui ça a un peu changé. Les gars sont tous syndiqués, ça brasse 3-4 autour d'une pelle en regardant les jeunes faire du zèle. Fallait pas se réjouir trop vite. On est encore des porteurs d'eau à la salle des gens de l'élite et des pleines d'armes en toxido. Quand le boss d'une grosse corporation ferme son usine en Gaspésie, te demandera pas ton opinion, il va se laquer sans dire merci. Que nos forêts sont mises à mort, ça jase dans l'opinion publique. Deux semaines et ça sonne dans l'oubli. L'histoire est morte et enterrée dans le parc de la véranderie. Il continue à croiser, c'est ça le problème de ma patrie. C'est que personne pour s'indigner contre la fausse démocratie. C'est les riches et les banquiers dans cette contrée toute pleine d'ignorants. On va tous se rappeler de son histoire et c'est des russes, des plaques de chant. Encore un petit peu de mémoire. Si c'est ça le Québec moderne, mais moi je fais mon rapport.